J'aime bien cette phrase de Paul Valéry où il dit que l'artiste est celui qui fait de rien quelque chose. Que ce soit la peinture, ou que ce soit la sculpture, ou que ce soit la tapisserie, c'est un problème de relation avec les matériaux. Et mes relations sont des relations de respect, comme on respecte. On peut respecter ou ne pas respecter l'homme. Il ne s'agit pas d'une pierre non plus, ou du fil de tapisserie, mais il s'agit exprimer mon respect pour le matériau. C'est ce que je viens de dire, ce sont mes préoccupations capitales. Cette culture, c'est Masada. Je ne sais pas si qui c'est. C'était au temps des Romains qui se trouvaient en Israël, à Jérusalem. Ils ont mené la guerre contre les Juifs. Alors à ce moment-là, de nombreuses familles juives sont réfugiées loin des villes, dans des rochers. Et ils ont vu que les Romains ont réussi de rompre leur résistance, ils ont décidé de se suicider. Ils ont laissé aussi un peu de nourriture pour dire, ce n'est pas comme vous pensez qu'on a manqué de nourriture, mais on ne voulait pas se soumettre sur les pouvoirs romains.
un jour, l'architecte Roger Taillebert a fait appel à moi pour décorer un lycée, le lycée Jolimont à Toulouse. Évidemment, j'ai utilisé la brique comme matériau. Avec Maria était pour moi une grande chance parce que je ne serai jamais ce que je suis dans mes ailes sans Maria. Son apport était un côté de matière et une réalité et moi je me serais dessous dans la spiritualité et je n'aurais pas cette passion pour la matière. Et ça, c'est pour moi ma richesse, c'est ces matières. Les petits livres, c'était à la suite d'une affiche qui était tirée pour une exposition à l'abbaye de Mulhemont. Et l'affiche était ratée, c'était sur les papiers chiffon. Alors j'ai récupéré tout ce qui était imprimé, raté. Et puis, j'ai commencé à travailler avec ça, l'utiliser tel que j'en ai fait une trentaine de petits livres, qui appellent des livres, des ouvertures, j'appelle, et que je n'expose pas. C'était comme mon bien, comme ça, et puis c'est difficile d'exposer parce qu'on ne peut pas le mettre entre les mains des publics, tourner, et c'est ça qu'il faut. C'est fait pour ça, pour tourner, toucher avec les doigts et les yeux. Chantal. Objet spatial. Petit portrait.
Alors, je me suis entouré avec tous ces petits objets dont tu vois, des choses abandonnées, piétinées, humiliées. Je les regardais avec amour et j'ai essayé de les rendre à la vie. J'ai débuté par le dessin, j'ai beaucoup dessiné. Ensuite, comment ça s'est introduit de plus en plus, la peinture, c'est une autre étape. Et ensuite, parce que le tir était réparti de différents moments. Et puis, ça aboutit à le dernier travaux, c'était la tapisserie. Je faisais des peintures, beaucoup. J'ai eu une exposition qui était très heureuse, c'est en 59, Paris et Galerie Perron. Et c'était l'étape la plus avancée du point de vue peinture. Depuis, j'ai continué à peindre, mais en 60, c'était déjà que de la tapisserie. Au sujet des ouvertures, la signification de ces ouvertures provenait d'une chose. À la maison, chez nous, mon père, quand c'était mal, la misère, la famine, il était toujours avec cet espoir et il a dit, l'essentiel, c'est l'espoir. C'est ce que j'ai hérité de la maison. Et je pensais que c'est ça, la signification. C'est dans n'importe quelle technique, que ce soit la peinture, que ce soit les dessins, dans les tapisseries, le collage, c'était devenu évident pour moi que c'était une expression d'espoir. Et l'espoir m'a fait aussi sauter du train, de déporter. Personne, des 100 personnes m'échapperaient. Je l'ai si j'ai mobilisé toute l'énergie et l'espoir m'a fait s'évader du train en marche et échapper à la mort.
souvent on me demande comment est-ce que tu es arrivé à la tapisserie, pourquoi la tapisserie. Je pense que la tapisserie, jusqu'à maintenant, elle servait aux peintres. On faisait de la peinture, des tissages de tapisserie. Ce n'était pas le langage de tapisserie, c'était le langage de peinture. Elle était asservie par les peintres. Elle était là comme si elle faisait les trottoirs, les passants, les demandait leur menu plaisir. Elle n'avait qu'à se taire, à se soumettre ce que désirait le peintre. Et au fond, je voulais voir est-ce qu'elle peut être une expression totalement indépendante de la peinture. Et qui parle dans son propre langage. Quand j'ai vu que c'est possible, je faisais des essais et ça durait jusqu'à ce que ça s'est confirmé. De Bordeaux, c'était l'intermédiaire de l'architecte Villerval et qui a été très très intéressé par le projet et puis m'a recommandé, quand ça discutait autour du projet, il a dit moi, quand je faisais l'architecture, je vis ici un endroit pour Thomas Gleb qui fasse une tapisserie. Moi, je ne savais pas qu'il me connaissait. Villerval a soutenu le projet du commencement jusqu'à quand c'était décidé par la direction. Ça traînait quelques mois. Ils ne pouvaient pas décider. Alors, ils ont dit, choisissez-vous. Ils disent, pour moi, c'était choisi depuis avant qu'on le commandait. Je voyais une tapisserie ici de Thomas Gleb. C'est un peu moins grand que Pernod. Par contre, Steck m'a fait savoir que mon projet était accepté pour une tapisserie de 70 mètres carrés. Alors j'ai passé la nuit pour tracer directement sur tous les murs qu'il y avait disponibles pour la tapisserie. Je le nommais La Joie et puis ce bâtiment en ciment avait besoin de cet apport couleur forte et violente, le plus violent que j'ai jamais fait et le plus grande dimension que j'ai jamais fait. Cette commande était pour la Pernoderie, commandée par Pernod. C'est dans le hall des sièges sociaux à Créteil.
J'aurais dû te parler de la Torah, c'est l'Ancien Testament, remis par Moïse, peuple. Et les premières expressions de la Torah, c'est au commencement. Il sépara les clartés des ténèbres. Et je ne suis pas encore sorti de ces définitions. Comme c'est tout se trouve dedans, dans le commencement. Ben, je te dirais, ce que je crois, c'est dans une œuvre d'art. La part la plus importante est celle qui m'échappe et que je ne commande pas. Je crée parce que je ne sais pas. Si je savais, je n'aurais plus de raison de créer. Mon surnom est Thomas. Gleb, c'est un nom.